Je vais tomber la veste parce qu'il fait un peu chaud quand même. Je sais pas ce que c'est que ce temps, on se croirait dans un pays lointain. La chanson d'après, elle est sur un sujet qui me tient un peu à cœur. Bon, comme la plupart des chansons en fait. C'est sur les armes. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre à quoi ça sert. C'est une chanson un peu longue. Du coup, faut se concentrer un peu. Allez, c'est parti. Des gamins qui jouent à la guerre, qu'on me dise à quoi ça sert, qui rêvent d'être militaire et de mettre feu à la terre. Est-ce possible qu'un enfant ait envie de tuer des gens? On prétend qu'on se défend, qu'on a obéi au sergent, qu'on la fasse pour une religion ou pour protéger sa région. Attention à la contagion, quand la haine recrute ses légions. Quelle forme désarmée pour tuer des gens désarmés, donnant des armes aux enfants pour venger leurs parents, œil pour œil et dent pour dent. Et tout le monde est perdant. Je ne veux pas de sang sur mes mains, même pas celui d'un animal. Alors imagine un humain, pour moi tuer n'est pas normal. Marre des armes, oui, y en a marre des armes, surtout celles des militaires. Et marre des armes, oui, y en a marre des armes, surtout si elles sont nucléaires. Et marre des armes, oui, y en a marre des armes, qui ne servent qu'à faire des drames. Et marre des armes, oui, y en a marre des armes, qui font couler sang et larmes. J'ai rien contre eux. Ah non, c'est pas ça. On sème ce que l'on récolte, du coup je n'ai pas de Colt. À l'endroit comme à l'envers, c'est dangereux, un revolver. Et pas besoin d'une mitraillette ou d'avoir un lance-roquette. J'aime pas les AK-47, ça fait des trous dans les têtes. Et je ne vois pas dans quel cas j'aurais besoin d'un bazooka. Je n'ai pas non plus de fusil caché sous mon lit. Et pourquoi faire un Uzi si tuer est un délit? Pas besoin d'un magnum pour me sentir un homme. Même les Kalachnikov, je trouve ça plutôt bof. Pas envie de vendre mon âme pour jouer du lance-flamme. Facile de creuser des tombes à grands coups de bombe. Et si un jour je porte un flingue, c'est que je suis devenu dingue. Qu'on m'enferme sur le champ avant que je tue des gens. Et si un jour je porte un flingue, c'est que je suis devenu d'un con. M'enferme sur le champ avant que je tue des gens. Marre des armes, oui, y'en a marre des armes, surtout celles des militaires. Et marre des armes, oui, y'en a marre des armes, surtout si elles sont nucléaires. Et marre des armes, oui, y'en a marre des armes, qui ne servent qu'à faire des drames. Et marre des armes, oui, y'en a marre des armes, qui font couler sang et larmes. Vous arrivez encore à suivre, c'est pas trop long. Ça va, vous êtes encore concentré. En même temps, à cette heure-là, vous êtes pas encore trop alcoolisé, ça va. Je ferai ça dans 2 heures. Il y en a quand même mal à la tête, quand même, je pense. J'ai rien contre les militaires, je les considère comme des frères, comme tous ceux qui vivent sur terre. Mais n'ont-ils pas mieux à faire que de provoquer l'enfer en mettant le feu à la terre, décimant leurs congénères? Méritent-ils un ministère? Je ne sais pas si Dieu existe, mais je doute qu'il cautionne la violence est un kyste. Une idée vraiment conne, il reste des pacifistes. J'entends leurs cris qui résonnent quand j'en vois un qui résiste. Je prie pour pas qu'on le baïonne, si la terre est notre mère et que nous sommes tous un peu frères. J'ai peur de trouver vulgaire qu'on puisse justifier une guerre, qu'on
comment peut-on être fier d'envoyer son frère au cimetière juste parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on pense que l'autre a tort. J'aimerais savoir qui décide de la valeur d'un génocide. Pour moi, un mort est un mort. Et la chasse n'est pas un sport, un fusil. À quoi ça sert, à part à tuer et faire la guerre? Je préfère mourir dans l'instant que de faire couler le sang. S'il m'arrive d'avoir la rage, je médite pour rester sage. Se laisser guider par la haine, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Se laisser guider par la haine, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Se laisser guider par la haine, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Des armes, y en a marre des armes. Marre des armes, y en a marre des armes. Marre des armes, y en a marre des armes. Marre des armes, y en a marre des armes. Et marre des armes, y en a marre des armes. Et des sous-marins nucléaires. Et marre des armes, y en a marre des armes. Dans le port de Saint-Nazaire. Et marre des armes, y en a marre des armes. Surtout si elles sont nucléaires. Et marre des armes, y en a marre des armes. Surtout celles des militaires. Et marre des armes, y en a marre des armes. Qui ne servent qu'à faire des drames. Et marre des armes, y en a marre des armes. Qui font couler sang et larmes. Merci.